cambio de decir. Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous prends aujourd'hui sans maquillage, hein. Ne faites pas trop attention à cette tête toute blanche, blanquette. Je suis avec les petits. J'adore la tenue que j'ai mise aujourd'hui, par contre j'espère... J'espère que je me suis pas fait de tâche parce qu'en fait on vient de manger sur l'heure de midi et j'ai sorti Owen de sa chaise. J'ai sorti Owen de sa chaise haute et j'ai pas, j'avais pas fait gaffe, il avait des pâtes à la crème et tout sur lui et je l'ai mis contre moi, j'ai tout étalé sur ma blouse qui est neuve, du coup je suis deg. Je l'ai acheté d'occasion. Mais elle était neuve quoi, donc d'ailleurs il me semble que ça fait partie de la nouvelle collection Zara et qu'elle est encore dispo actuellement. Donc elle est comme ça, franchement elle est trop belle. C'est une manche longue. C'est juste que, il y a Mila qui appelle Owen. C'est juste que je la remonte parce qu'il fait un peu chaud. Elle est trop belle, vraiment canon. Désolée pour les bruits, ils sont en train de jouer, ils sont un peu énervés là. Et Owen aussi il a un chouette, bah, tous les deux. Mila, viens montrer ta tenue. Donc Mila, elle a un haut qui vient de chez Verbaudet. Je l'avais acheté l'année dernière, de souvenir. Et ça, c'est un des tutus qu'elle a reçu par la marque Billy Blush, qui est vraiment très beau. Et en fait, on l'a pas reçu. En fait, il y a pas longtemps, on avait reçu plein d'articles et même celui-là. Voilà, tout à fait. Et Owen, il a un petit body. Qui vient de chez Zeman, voilà, qui est très joli, un petit body Miffy. Il est trop beau ce body, il est vraiment trop joli. Bon, c'est un peu le bazar parce qu'ils jouent, du coup bah, ils ont retourné la chambre. Owen il a la grande folie de jeter les balles en ce moment du truc, donc voilà, la piscine à balles. Et du coup je vais reprendre cette salle de jeu en bazar encore une fois. Parce que j'aimerais réussir à organiser ça pour qu'Owen puisse être plus ou moins... comment dire, je suis toujours avec eux, hein. Bien sûr, Owen est bien trop petit pour pouvoir jouer tout seul ici. Mais j'aimerais bien trouver une sorte de rangement pour qu'en bas, il n'y ait pas de trucs trop dangereux pour lui. À part ça les amis, la piscine a de plus en plus une tête de piscine. Voilà, ça avance bien. Ça fait trop plaisir de voir ça. Et on commence vraiment à voir un peu ce que ça va donner. Et j'ai trop hâte de voir la suite, c'est trop chouette. Bon, Alex est toujours là, hein, les amis, ne vous inquiétez pas, Alex n'a pas déménagé. Il est plus souvent à la maison parce qu'il travaille beaucoup, beaucoup ailleurs, mais il est toujours là. Et il est en train de... De couper de la viande. Alex... Alex, il en peut plus avec ce mec là. Comment il s'appelle? Salbay. Salbay. Solbay. You sir Solbay? Non, Solbay ça veut dire le meilleur ami du sel. Parce qu'il fait ça avec son... D'accord. Alex est fan d'un gars. C'est pas que je suis fan. Oh si, tu l'aimes bien, tu le suis tout le temps et c'est tout. C'est que quand le mec il découpe de la viande ou qu'il fait à bouffer, il fait des airs pas possibles. Allez, là on est bien rosé. Il fait des airs pas possibles. Il me donne faim quand il coupe de la viande. C'est un cuisinier ultra connu, je pense qu'il est turc, c'est ça? C'est un turc. Quand il fait... J'ai pas mangé de kebab depuis 2006. À peu près, hein, parce que c'était avant d'être avec Roxane. Parce que Alex a une mauvaise blague, bref. Et la dernière fois, je l'ai vu faire un kebab, il m'a dit, le sien, je le mangerai. C'est celui qui fait les steaks dorés à leur fin, que Ribéry et Benzema avaient mangé et que ça avait créé une polémique pas possible. Mais c'est un chef reconnu qui a des restaurants partout dans le monde. Le mec il est un peu barré dans sa tête, hein. Franchement il est drôle. Il est drôle. C'est un gros collectionneur de montres aussi, c'est comme ça que je l'ai connu. Il a une tête mais genre on l'oublie pas quoi, il est hyper particulier, enfin il est drôle. Il est drôle ouais, il est marrant. Et du coup nous c'est barbecue avec une petite salade, enfin salade même pas, salade de tomates, toute simple. À part ça, petite update transat, je me permets de vous en reparler, j'ai l'air un peu relou avec mes trucs extérieurs, mes transats et tout ça, mais ça peut être intéressant parce que franchement je trouve que j'ai fait une bonne affaire, c'est-à-dire que je vous avais dit, je les ai payés 150 euros pièce les transats, mais sans le tapis,
enfin sans le tapis au-dessus, et du coup c'est pas confort du tout, il faut obligatoirement mettre un tapis dessus, enfin un truc, un coussin, quelque chose, parce qu'autrement on n'est pas très bien mis. Donc je les ai payés 150 € et j'ai trouvé ces coussins à 39,99 € sur un site qui s'appelle Home Maison, il me semble bien que c'est ça. Il y a plusieurs modèles, dont ce modèle là qui est un peu taupe, enfin qui est même très taupe, et qui est parfaitement à la mesure. Donc ça, ça vient de chez Mano Mano, le vendeur c'est Vidal XL, il n'y en a qu'un modèle, et ça c'est Home Maison. Donc ça fait 100, qu'est-ce que je raconte, oui, ça fait 190 € pour un transat complet. Sachez que pour avoir la même chose chez Maison du Monde, c'est 400 € pièce. Ce qui fait que j'ai payé moins de la moitié du prix de chez Maison du Monde. J'ai cherché sur plein de sites et tout, c'est vraiment là que je les ai trouvés au meilleur prix. Franchement, c'est trop beau. Je trouve que ça donne vraiment un effet vacances. Enfin, j'aime vraiment beaucoup le style. Après, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Mais voilà, j'adore. Je suis vraiment très contente du résultat. Les coussins sont vraiment de super qualité, il n'y a rien à dire. Je suis hyper contente. Par contre, il faut que je trouve des genre des bâches à la bonne, enfin des housses pour mettre dessus à la bonne, de la bonne taille, parce que les oiseaux, enfin il y a beaucoup d'oiseaux dans le jardin d'ailleurs. Je pense que vous les entendez chanter à longueur de temps dans mes vidéos et j'adore. Je trouve ça génial. Je suis pour les oiseaux, mais ils chient partout. Hein. Voilà, ils chient partout. Il suffit de regarder un peu autour. Déjà là, je les ai installés hier les transats. Il y en a déjà un qui est venu faire un caca ici. Bref. Bon les amis, je vous reprends beaucoup plus tard. Grande professionnelle que je suis dans à peu près tout ce que je fais, et consciencieuse, c'est surtout ça. Fatalement, quand je vends des trucs, je veux que ce soit vite parti, vite livré, etc. J'aime pas que ça traîne, j'aime pas être en retard dans ce que je fais, etc. Donc, j'ai fait mes colis aujourd'hui. Je ne savais pas que j'allais pratiquement tout vendre en 2 heures. C'est-à-dire que j'avais mis 55 annonces et il y a genre 40 trucs qui sont partis. À l'heure où je vous parle, il est genre 23 h. On est au bout du rouleau, Alex m'a aidé, je vous montre les colis. Sachant que clairement c'est des trucs que j'ai depuis un moment et que j'avais mis de côté pour revendre. Donc ça fait beaucoup, 50 articles, mais finalement, voilà, sur plusieurs, j'ai envie de vous dire plusieurs années. Sachant que par exemple les sacs à langer et tout ça, je les avais depuis longtemps. Bon bref, ceci étant dit... je ne me cherche pas d'excuses, mais je vais devoir envoyer via Mondial Relais. Je ne sais pas quel magasin qui fait Mondial Relais va m'accepter tout ça. Et là, c'est que ceux que j'ai vendus, hein, donc il en reste quelques-uns qui vont peut-être partir dans les jours qui arrivent. je sais pas comment je vais faire pour les envoyer. Je sais pas du tout. Enfin, je sais comment je vais faire pour les prendre. Hein. Je vais prendre le Vito d'Alex pour aller les mener, mais je sais pas quel relais va me prendre ça, quoi. Il n'y a jamais le relais qui est à côté de chez moi, il n'a jamais la place pour prendre mes 40 colis. Ceci étant dit, c'est cool, hein. Si je les ai mis en vente, c'est que je voulais les vendre, hein, mais je ne m'attendais pas à tout vendre aussi vite. Je pensais que ça allait partir genre sur 15 jours et que j'aurais le temps, mais là, en fait, une fois que vous avez vendu, genre vous avez 72 heures, donc 3 jours pour les porter. Donc je vais pas traîner quoi. Mais du coup ça m'a pris un temps de fou avec Alex. Là on vient de passer 3 heures, même plus je pense. J'ai couché les petits à 20 h et il est 23 h, 23 h 30, ouais 3 h, 3 h 30 à tout emballer. donc voilà, et je vous dis il reste une petite dizaine d'articles à mon avis. Et c'est plus des fringues et tout ça, donc ça prend moins de place, mais j'ai plus de tout petits colis, donc je sais pas où je vais aller chercher. Ça c'est des cartons que j'ai gardés. voilà, bon bref, je voulais vous montrer ça. Et du coup ça m'a pris toute la soirée. Sur ce les amis, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit like. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, bref, partout. Les liens ils sont en barre d'infos pour me retrouver. Et puis moi je vous retrouve avec grand plaisir dès demain. Et puis demain, l'air de rien, faudra porter ses colis. Il n'y a rien à faire, je vais galérer. Voilà.